papa ogin kama na wanje bonje bo banam nkwanko president kisiman mona popo kabaka président jasima soa papa na david na soraya Père de Timassoa. Balandi ya RTGA, bana nyonso ya Congo, bana ya Brazzaville, bana ya Angola, mbote. Emission, voilà na beto spécial émission. Beta lo mambulula, parce que beta ya mamundu, ya tatouba français, ya tatouba lingala, ki Congo mwa fiuti. Mundu, ya beto ya make médecin, beta beto tuba yo tradi praticien. Monde ya tradi praticien no kuma monde ya banuibi abantu aluvuni beke mingi ake langa muna Angola mingi na Brazzaville na Congo na Bakongo na Bandundu na Kinshasa mwe natira be muntu ya takatula kubela na bene mitu bon avamu ya mani mwe sosa kuzaba esika ake muntu aluvuni kwa bantu nyoso mwe sosa kuzaba ndiyo ina mwe natira be make conseiller au culte tradi praticien Jean-Cy Kengi. Benta menula sa tatouba mingi mwa français ti mwa lingala. Kansi yake mpangi na betu yake tuba ki Congo. Ki salwa ke salaka benta zaba. Kansi na mtuwa la betpesa mendinga. Yae emission Bwala na betu. Yannick mwa mwimbu ya Bwala. Na kutula betu ti besprit en communion. Bantu ya mefua kansi ya bete zingaka na kiltu. Yami njilake nange mwa mwimbo wetu binga bankoko. Sambo betu bani emisyon Bwala na betu. Yeah!
Pampangi, Monsieur Jean-Si Tengi. Qui êtes-vous? Qui est même quel Jean-Si Tengi? Il y a peut-être un conseiller ou qui est traduit pratique. Qui êtes-vous? Jean-Si Tengi, si on regarde bien dans la légende de service scientifique de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, si les gens font des parcours au niveau de services de renseignement, comme les ANER, ils vont comprendre, je fus le meilleur traducteur-thérapeute d'Afrique centrale en 2022. Je dis bien, je fus le meilleur traducteur-thérapeute en 2022. J'avais pris la coupe au niveau du Bénin à Ouida. Ça s'est passé, ces trucs au niveau du Congo-Brazzaville à DRTV. Si on regarde bien le Triomphe du Savoir, l'émission Triomphe du Savoir, même sur le YouTube, on comprendra que je suis quelqu'un qui est très avancé dans la spiritualité. Vous êtes très avancé dans la spiritualité, donc vous êtes magicien. Je suis occultiste, je ne suis pas magicien. Vous êtes occultiste. Oui, le magicien, c'est lui qui fait le tour de magie. C'est la magie, c'est l'escroquerie. La magie n'existe pas. Et quelle différence faites-vous entre l'occultisme et la magie? Il y a une forte différence entre l'occultiste et le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui vient chez toi et te trompe qu'il multiplie de l'argent. Or, que ces histoires-là, ça n'existe pas. Il te trompe que non, il y a le porte-monnaie magique. Tu vas sortir à 0 heure. Va aux toilettes. Va réciter les incantations abracadabra, abracadabra. Et quand tu rentres ta maison, ne regarde pas derrière. Si tu regardes derrière, il y aura un esprit et tu cries, tu deviens fou. Il te fait même peur. Et quand tu arrives là, c'est de l'escroquerie, d'une arnaque. La magie n'existe pas. Il y a plusieurs tours de magie. Quelqu'un malade, hein, il te fait croire que non. Et maintenant, il va venir t'enlever les trucs chez vous. On a vu non. Quand la personne arrive là, il porte des stands là, hein, il met des trucs, il cache ces trucs là en bas là, sur ses habits là. Quand il crèche le trou là, il met là, oh, n'est-ce que vous recevez coco, faut payer ça 1000 dollars, faut payer ça 3000 dollars à arnaquer. Donc ça c'est de la magie. Mais l'occultisme, ce que nous appelons l'occultisme, ça fait partir de la Wicca. La Wicca, c'est une ancienne religion que nous appelons Kikulu Mono, on dit Congo, on dit Fovaka, Kikulu Mono, Kalangambola, Kikulu veut dire Kibokoko. Donc, tu connais que Beto, les Boutina, Samuka Bomina, Moutirata, Moutirika Obele. Donc, la Wicca, c'est une religion donc, de l'Égypte et de la Babylone, ça fait partie de l'Afrique. Raison pour laquelle aujourd'hui, si l'Europe est puissante et très avancée, parce qu'elle pratique de la Wicca. Donc, la Wicca, ça fait partie de l'occultisme, c'est ce que nous appelons la Wicca. Donc, l'occultisme est bien. En effet, mais sans l'occultisme, on ne peut pas vivre. Nous-mêmes, le Christ était occulte. Est-ce qu'à partir de l'occultisme, on peut guérir quelqu'un? À part l'occultisme, on peut guérir. Parce que sans occultiste, sans faire de la spiritualité, quelqu'un pour avoir une santé physique qui est normale, ce serait difficile. L'homme a un corps physique, un corps mental, un corps éthérique, un corps spirituel. Il a l'âme en lui. Mais quand son corps mental est touché ou son corps éthérique est touché, comment il pourra avoir cette guérison tant que il ne maîtrise pas la spiritualité? Quelqu'un peut être malade aujourd'hui, parfois c'est un karma qui paye. Quelqu'un peut être malade aujourd'hui, parfois c'est un envoûtement. Pas forcément que la personne est malade, c'est naturel. Aujourd'hui là, quand quelqu'un a un cancer du sang ou un cancer du cerveau ou prostate, il cherche d'aller voir un médecin moderne. Ce médecin moderne lui demande que non, moi je guéris mon cancer. Quand il prend le traitement, ça ne se guérit pas. Mais des fois, c'est un karma qui paye. Or que moi, je soigne toutes les maladies. Donc, quand nous appelons des maladies, que ce soit du cancer, que ce soit n'importe quelle maladie, je le soigne. Naturellement, j'ai des plantes qui me permettent de soigner des maladies. Je ne suis pas un charlatan. Quand il reçoit quelqu'un, la première des choses qu'il fait, oh, c'est un diabète. Oui, je soigne du diabète. Il faut que je te remette. Il faut que je te remets la tisane. Parce que mon diabète là soigne la tisane. Mais est-ce que l'organisme de la personne qui est malade, est-ce que ça lui va avec son diabète là? C'est pour ça qu'on dit, il y a plusieurs charlatans aujourd'hui, des escrocs. Quand il a remis un produit à quelqu'un qui est diabétique ou qui a la prostate, quand la personne là est guérie, ils se disent que non, ah, le même produit, je vais continuer à remettre ça à toutes les gens qui souffrent de la prostate, ils auront la guérison. Or que c'est archi faux. De fois, celui qui a eu la guérison, de fois c'était par hasard,
sa guérison, sa réussite. Et pour moi, la première des choses que je fais quand je reçois malade, il me paye d'abord les 30 000 francs de la consultation. Je fais recours à mes entités. Il y a la boîte de la banque, les entités, les esprits, dans les rituels de la nécromancie, parce que la nécromancie fait partie de l'occultisme. Je communique mes ancêtres. Mes ancêtres me disent la première des choses. La personne qui vient te voir, monsieur X ou madame Y, qui a telle maladie, remets-lui tel produit. Quand tu lui remettras ça, ça marchera. Pourquoi un homme a un ange gardien? Posez-moi cette question. Donc, vous, quand quelqu'un vient vous voir, vous êtes en communication avec les ancêtres. En effet, je ne peux pas prendre un malade, lui remettre un produit parce que ce produit soit le cancer. Ou alors, il sera guéri. Non. Il faut que je sois vraiment en communication avec mes ancêtres, mes entités. Comment vous êtes en communication avec les ancêtres là? Ça, c'est un don qui fait partir. Nous sommes en Afrique. Vous savez, Guillaume de Compris avec l'esprit qui habite la campagne, Diamant le dit, c'est le meilleur guérisseur. Je vous ai fait comprendre ceci. Je suis quelqu'un qui est très doué, très avancé, plus de 8 ans d'expérience que j'ai dans la spiritualité. J'ai voyagé plusieurs pays, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai un avancement que mes parents et mes grands-pères m'ont initié depuis mon enfance. C'est la raison pour laquelle les totems, les fétiches que j'ai depuis mon enfance, parce que chez nous, au Congo, il y a des grégores, hein, des grégores traditionnels, qui fait qu'un enfant, quand il aura éveillé, quand il grandit, on le initie au fur et à mesure. Donc j'ai hérité les trucs laissés par mes parents et par mes grands-parents. Donc c'est comme une sorcellerie, mais c'est pas la sorcellerie, c'est le cultisme. Donc, vous acceptez que vous avez les fétiches. Mais tout le monde a des fétiches. C'est lui qui n'accepte pas les fétiches. C'est pour dire que c'est un hypocrite. Mais le pasteur qui part à l'église là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas des fétiches. Il y a des pasteurs qui viennent me voir chez moi. Parce que je ne peux pas dévoiler le nom des gens. Parce que un médecin ne dévoile pas les secrets de ses patients. Des patients. Hein? Il y a des pasteurs qui me voient, non, personne numéro, n'a pas de numéro, il n'y a pas l'église. Il n'y a pas de numéro dans l'église. Alors, c'est, après, lui, il n'y a pas d'escroquer. Les pasteurs, c'est des escrocs. Mais il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'escroquer. Non, les autres, ça. Je suis comme un commerce, non. Je vends mon produit, je ne suis pas escroqué. C'est lui qui fera son karma. Je n'ai rien à voir sur ça. Donc, vous avez. C'est comme aujourd'hui, un ministre, qui veut voir qu'il passe ministre. Je fais un rituel, par exemple. Je fais un rituel pour qu'il passe ministre. S'il n'est pas assez ministre aujourd'hui, il commence à faire du mal, il commence à voler l'argent de l'État. Est-ce que son karma qui paiera, est-ce que c'est moi qui sera à la logique de ça? Je ne serai pas à la logique de ça. Le Kola Moto au Seigneur Nzela, montre-moi la route à la Rishon Nzela. Si la route est bonne, ce que tu feras, ça marche. Donc, Mbengo Zaboué, Ozana Kimboki. Donc, Osurana la Satan. J'ai Lucifer en moi, le porteur de la lumière. On appelle le temps du matin Forforos. C'est un Lucifer. Lucifer, oui. Les démons. En effet. Mais quand on parle de pratiquer de la démologie. Donc tu pratiques la démologie. Mais quand on parle de putisme, la démologie. Parce que quand on parle de la démologie aujourd'hui, la démologie, c'est pas seulement faire le mal à des gens. C'est comme un sorcier. Si aujourd'hui vous êtes sorcier, vous n'avez pas la capacité aujourd'hui, par exemple, de. La capacité, par exemple, aujourd'hui de. Comment on pourrait dire? Vous n'avez pas la capacité aujourd'hui de bouffer quelqu'un. Si tu as un bon cœur, tu peux libérer la personne, heureux de bloquer. Mais si tu as un mauvais cœur, tu vas essayer toujours à nuire la personne. Donc le sorcier, il peut avoir un bon cœur, il peut sauver quelqu'un. Pas forcément quelqu'un sorcier ferait du mal. C'est comme un démon. Moi qui ai un corps physique, qui commande le démon? J'invoque Astaroth, Belzébuth, Lucifer, Athanaios. Moi je fais les entités, je fais les pédagrammes inversés. Les entités apparaissent comme ça. Parce que les apparitions existent, mais le porte-monnaie magique, ça n'existe pas. C'est une escroquerie, c'est de l'arnaque. Le porte-monnaie magique, ça n'existe pas. Hein? Ou quelqu'un vous dit que c'est un maître, il fait des multiplications d'argent, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Ou moi je multiplie l'argent, c'est archi faux. Si quelqu'un vous dit que non, c'est un maître qui multiplie l'argent, faites-moi recours. Rappelez-moi que je suis là qui multiplie l'argent à mes yeux. C'est le tour de magie qu'il fera. Le deuxième tour de magie, il n'arriverait pas à faire ça. Il donnera des conditions. Oh, les esprits ont dit qu'il faut parfait bilaï. Oh, il donnera des trucs que tu pourrais même pas. Donc, appelles le Dieu là, tu pars, tu causes avec Lucifer. Je cause avec Lucifer matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je cause avec Lucifer. Je suis en face d'un démon. Je suis en face de Lucifer lui-même, personne. Je suis l'incarnation même. Moi, je suis en face d'un démon. Je suis en face de Lucifer. Bon, pourquoi dans le bagage, démon, ils ont la carte. Mais c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de te voir, tu es beau.
Quel est ce démon qui est beau comme ça? Mais Lucifer, il est beau. C'est Phosphorus, le tour du matin. C'est l'ange de la lumière, non? Le plus beau des anges. Ah, non, mais c'est qu'était? Non. Quand on fait apparaître Lucifer au carrefour, quand vous allumez, il y a des rituels que je ne peux pas parce que je ne peux pas dévoiler la télévision. Quand il apparaît, il a ouvert même au cimetière. Lui, c'est au cimetière, au carrefour, il l'invente. Parce qu'il est dans l'eau, parce qu'il est élément de l'eau. Il fait partie du verso. Vous, le temps, vous êtes là, il n'y a pas qu'il y a le cimetière, la boutou. Oh, mais je rentre au cimetière comme je voudrais. J'ai ma carte qui montre en tant que tradit praticien. J'ai des papiers qui montrent que je suis un tradit praticien. Je peux exercer n'importe quel endroit que je voudrais rentrer. La loi ne peut pas m'interdire. Je suis reconnu par le ministère de la Santé depuis Congo-Brazzaville. J'ai des cartes. Ma carte me permet d'aller partout dans le monde entier. Je peux travailler avec la même carte de tradit praticien. J'ai un certificat de reconnaissance qui prouve que je suis un tradit praticien. Parce que quelqu'un te dit que le tradit praticien, demande-lui est-ce que la carte du tradit praticien. Non. Ah, voilà. Voilà. Même quand même les cartes de tradit praticien. Mon certificat de reconnaissance. Vous avez montré ça. Pour prouver que non, je suis vraiment un tradit praticien. Yannick, oui. Voilà. Yannick, Bampangi. Éviter la bête qui est dans tout le français, Lingala, Tikongo, elle nous a mis des démons. Ake Koutanana, Lucifer, Ake, Yake démons qui l'avaient pas, Ake type esprit. En personne. En personne. Bakou, il avoue. Et quand quelqu'un parle avec Lucifer, c'est pas forcément pour faire le mal, mais parfois c'est pour sauver la vie des gens. Aujourd'hui, imagine-toi. Mais Lucifer n'est pas un démon qui fait le mal, non, qui fait le bien. C'est nous les êtres humains qui commencent. C'est-à-dire, faut pas enseigner la réputation de Lucifer. Aujourd'hui, qui veut dire catholique d'abord? Est-ce qui veut dire catholique? L'église catholique, vous allez dire quoi? Excusez-moi, je ne prends pas au prêtre. J'insulte pas l'église catholique, ce n'est pas une insulte. Mais l'église catholique veut dire la fraternité. Dans la fraternité, il y a une science qu'on appelle la Kabbale. Tétagrammaton, Yod Evaoé, le Dieu, le grand architecte de l'univers, Yod Evaoé, Adonai, tout cela. Quand je te prends le côté du mal, du Yang, quand on parle le côté du mal, que moi je trouve c'est du bien, Belzébuth, Astaroth, il y a Mammon, il y a Lilith, c'est plusieurs des entités de la démonologie. Mais vous voyez aujourd'hui là, si quelqu'un te dit que Lucifer fait du mal, c'est archi faux. C'est comme Saint-Michel. Saint-Michel aujourd'hui, on invoque pour le bien, pour le mal. C'est la même manière que les antichrists invoquent Lucifer. Tel que moi, je suis antichrist. J'invoque Lucifer pour le bien, pour soigner des gens, pour sauver la vie des gens. J'aimerais bien que quelqu'un dit la vérité que de faire de l'hypocrisie. Oh, au nom de Jésus-Christ, cette eau, ça bénit. Oh, qu'il a le diable en lui. C'est l'hypocrite qui fait devant malade. Moi, devant un patient, je lui dis la vérité. Quand tu es venu chez moi, je suis Lucifer. Il y avait le diable qui combat le diable. Donc, si le pasteur là commence à combattre les démons, sachez qu'eux-mêmes, c'est des démons. Parce qu'il n'y a qu'un fou qui reconnaît un fou. Il n'y a qu'un sorcier qui reconnaît un sorcier. Donc, on n'a pas question de faire des simulacres. C'est comme la politique et l'art de la cité. Il n'y a qu'un politicien qui a le droit de combattre un politicien. Donc, il n'y a qu'un démon qui a le pouvoir de combattre un démon. Moi, je suis démoniaque. Si tu viens chez moi, tu es musicien, tu as besoin de succès de remplir Bercy ou de remplir quelle salle Arena en France. Tu viens chez moi, je te fais des rituels, tu remplis. Le vœu, ça existe. Donc, je suis en face d'un démon qui peut faire du bien ou qui peut faire du mal. En effet, c'est moi qui ai un corps physique. C'est comme un mort. Tu pars, attends, excuse-moi. Vous partez au cimetière aujourd'hui faire un rituel de la nécromancie. Vous tracez le pentagramme inversé. Il y a des trucs que je peux parce que sinon il y a des charlatans qui vont copier parce que le grand maître avait dit ceci qu'il puisse le faire au cimetière. Quand vous faites appel à une entité, quand l'entité vient, tu te demandes que l'on va venger. C'est pas le mal que je te demande de faire. Je te demande de faire le mal. Mais quand tu demandes à l'entité de faire du bien, il fera du bien. Donc c'est comme Lucifer. Quand tu demandes au diable de faire du bien, il fait du bien. Parce que toi tu as un corps physique, tu as le pouvoir de commander le diable. Quand tu l'invoques, tu es dans un pentagramme, tu as le bâton magique en toi. Tu comprends? Tu as le bâton en toi. Tu le dis. Ce qu'il va faire, il va faire. C'est comme une sirène que tu pars faire apparaître dans l'eau. Ou un serpent de totem de famille. Tu lui donnes à manger des poussins, ou des cocolades, de l'in, de tout ce que tu donnes à manger. Tu lui demandes de faire et qu'il puisse exaucer le vœu. Donc moi aussi, quand j'invoque Lucifer, je le fais apparaître en tant que c'est mon serviteur à moi. Parce que je suis son fils. Et je suis incarné. Mais quel est ton nom démoniaque? Parce que ici, je vois Jean-Cy King. On m'appelle les chrétiens comme moi, je suis chrétien, j'ai un nom d'un saint Chrysostome. Alors, je suis Ilapi Ongabar Chrysostome. Toi ici, je vois Jean-Cy King. Quel est ton nom, diable Ozanam? On m'appelle Elonga na King. Elonga na King. Parce que quand tu viens chez moi, chez King, au Dieu Elonga na Makabotu, Ata Olingo le ministre, Oye Shindayi,
prends la solution. Attends, nous, Mbongo signe un pacte avec le diable. Oui, tu viens chez moi, tu as la solution. Succès. Tu as la solution chez moi. Kobota. Nomination. Kobota, c'est des petits problèmes. Mais Kobota, il y a un problème que les gens doivent savoir. Makama Kobota. Quelqu'un peut avoir ces problèmes de karma. Parce qu'il y a des karmas qui existent. Et tout ce que nous faisons sur cette terre-là, les karmas existent. Si tu es un vrai satanique, un antichrist, moi je suis antichrist, je ignore Jésus. Mais je crois en Dieu. Parce que Yod Evaoé, c'est le créateur qui a créé Lucifer. Il s'appelle Yod Evaoé. Le vrai Dieu, le grand architecte de l'univers. Si un Satan ne connaît pas Dieu, donc c'est un menteur. C'est un faux. Le vrai Dieu existe. Je suis arrivé au 33 degrés du grand architecte de l'univers. Je suis maître. Donc, tu vois, la maîtrise, tu montres comme le clair en maçon. J'ai pratiqué plusieurs écoles ésotériques. Et je suis né dans un milieu de fétiches. Je suis incarné à ça. Vous voyez, quelqu'un qui est parti chercher des fétiches. Et quelqu'un qui est né avec le don, celui qui est né avec le don, il a plus la force. Et c'est celui qui est allé chercher. Donc, moi, je suis né avec le don et j'ai encore pris la force. Imaginez-vous, à l'âge de 14 ans, quand j'étais petit, à 14 ans, je soigne déjà les fous. À cette époque-là, j'avais 14 ans. Quelque chose de maladie de fou, je soigne. Donc, quelqu'un qui a de la stérilité, ça peut être une dame ou un homme. La première des choses d'abord, si c'est un karma, est-ce que c'est un karma? Est-ce que c'est des microbes? Parce, ou est-ce que c'est des. Est-ce que c'est naturellement? On doit savoir. Parce que la nature nous a donné la chance de mettre au monde nous tous. Parfois, c'est un sort qu'on l'a jeté. Parfois, c'est un sort d'escargot ou du serpent l'a jeté. Maintenant, si on jette un sort dans le corps du serpent ou d'escargot, quand quelqu'un me voit, papa la botte à gâter, je vais d'abord consulter mes entités, les 30 dollars d'abord de la consultation. Parce que quand je prends les 30 dollars de la consultation, mon numéro c'est plus 243 827 204 322. Plus 243 827 204 322. Quand je prends mes 30 dollars de la consultation, je consulte pour savoir si c'est un sort qu'on a jeté, j'enlève le sort. Ça peut être un serpent, j'enlève le serpent. Donc je récite un mantra, le serpent sort de son corps. C'est pas que non, oh, tu prends une boîte, tu caches le serpent à l'intérieur de la boîte, au Katsi Banzoloko, au Tcheboye, au Kenyon la boîte, non. Au Tcheboye, maman, la démission, l'angoya, fais ça 1000 dollars, non. Moi, je te fais l'implantation sur place là, le serpent t'apparaît. Je vois quand même. Et serpent, on a un esprit, mais c'est l'entité qui incarne dans le corps éthérique la personne. Donc la personne peut être là en train de se promener avec un serpent. Mais justement, ça, c'est sans se rendre compte. C'est pour ça que même la Bible chrétienne dit que non, notre peuple pourri manque de connaissances. Mais j'ai appris que tu as fait ça aussi. Yannick, tu l'as imagé à Niokaïna. Voilà. C'est serpent. C'est sorti dans le corps de quelqu'un. En effet, c'est sorti dans le ventre de la personne qui a fait. Vous voyez le serpent qui est sorti là. Il y a même le sang. Le sang là, là qui m'a botanillé. C'est-à-dire, là qui m'a botanillé. Le sang là, c'est-à-dire, elle était stérile, la dame là. Elle ne mettait pas au monde. Donc j'ai resté un mantra. Ça s'est passé au Congo-Brazzaville. J'ai resté un mantra, j'ai fait sortir le serpent. Donc elle-même, elle a vu le serpent, c'est donc un gros serpent sortir, vivant, dans son ventre. Et il y avait une poupée qui est restée. Non. Et quand le serpent sort, il y a que Makila, Ezo Bimisera Makila. Nguma Ezo Bimisera Makila. Donc, il y a un bateau, il va vivre, il y a un bateau. Exactement. Justement. Mais oh, que le pasteur, il te fait comprendre dans la Bimisera Mouchele Kete. Mais c'est moi qui là, parfois c'est une pochette, la pochette là que je mets là. On a caché le mouchelet qui était ici, il met là. Quand il fait ça, au nom de Jésus, le mouchelet qui était tombe. On a béni ce mouchelet qui était. Des tours de magie. Mais moi je te fais l'occultisme, de la sorcellerie. Donc, moi je pratique la haute science. Je te récite un mantra. Haute science de la sorcellerie. Oui, je suis grand maître. Donc je te fais la haute science de la sorcellerie. Donc celui qui veut me voir, Arthur Monsolin, c'est ça. Celui qui a un problème spirituel. C'est très facile à me voir. Mon numéro est à WhatsApp. C'est le plus 243 827 204 322. Je répète, plus 243 827 204 322. C'est très facile à me localiser. Matondo, la sorcellerie existe. Et en Afrique, la sorcellerie n'est pas un péché. C'est pas un péché en Afrique. Mais si on n'est pas sorcier, comment tu dis qu'on peut fabriquer de l'avion? Comment tu dis qu'on peut dire que non, ah, un tel là, vraiment,
à mon appasse ne vient rien à boire mal les balles. C'est pas de la sorcellerie. Au commencement de la parole, on maudit la personne. Oui, là, les arbres, mais toi, tu dis que sur le rana, bah, des mots, aucun dans un cimetière, aucun dans un maï, aucun dans un bouton dans le mot. Même en pleine journée, le seul que je pousse, c'est moi verser mon sang. Je pousse verser mon sang. Je peux faire réveiller un mort au cimetière, à sa tombe. Mais les morts ne sont pas morts. Mais comment les morts sont morts? Quand quelqu'un meurt, il y a le monde spectral des 40 Valérie qui s'appelle ça. Des 40 Valérie. Quand quelqu'un meurt, deux fois, il est reçu par les 24 rivières au ciel. Tel que moi, quand je vais mourir, je vais sécuiver mon jugement. La sécuiver? Oui, je vais sécuiver mon jugement. Quand je meurs là, il y a l'ange faucheuse qui viendra chercher mon âme. Mais je vais sécuiver l'ange faucheuse. Parce que l'ange faucheuse me dira qu'il faut que je parte dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a un jugement des 24 rivières. Le purgatoire existe. Vous ne savez pas ce purgatoire. Il y a la condamnation qui existe. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ça se paye aussi. Ça se paye de devant. Mais les grands occultistes, des gens qui ont la mission de Lucifer, quand quelqu'un meurt en tant qu'occultiste, hein, il s'incarne même dans un carrefour ou dans l'eau. Dès que moi, quand je mourrai, je m'incarne dans l'eau. Donc, quand tu vas chercher à ma tombe, quand tu vas m'invoquer, depuis dans l'eau là-bas, je viens à ma tombe. Tu m'appelles. Donc, je partirai dans l'eau là. Maintenant, ce sont des grands occultistes comme nous qui connaissent ce système-là, comment on prépare notre mort, à ma mort. Donc, même si on me tue aujourd'hui, je vais rester un petit mantra. Pour que l'ange précieux, je ne vais pas récupérer mon âme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, là, il ne faut pas que quelqu'un puisse avoir l'idée qu'il soigne des gens, il a tel produit qu'il soigne le diabète, il donne. Oh, tout le monde sera guéri. C'est faux. Mais moi, je consulte d'abord mes entités avant qu'ils soignent toutes les maladies. Je dis bien, celui qui a un problème spirituel, même s'il a l'hôpital, le cas à l'hôpital, même si le cas en France, en Europe, n'importe quel pays, comme on voit, c'est moi la consultation de $30 plus la photo. C'est facile à sonner quelqu'un même à distance. Mon numéro est le plus 243-827-204-322. La sorcellerie, c'est une science. Mais c'est une science. Ce n'est pas une religion. Non, la religion, je parle de la Wicca. Je porte la marque de doute sur mon tatouage-là. Quel est le premier prêtre porté, ce tatouage-là. On appelle la marque d'ancienne religion, les druides. Des tatouages que les gens mettent sur le corps, c'est par hasard ou c'est un message? Non, c'est un message qu'ils mettent. Mais s'ils mettent ça par hasard, c'est parce que c'est la naïveté qui leur fait ça. Ça, quel effet? Oh, mais ce sont les secrets de mon corps. Je vais devenir mes secrets. Vous êtes chrétien. Quand vous priez avec la flamme violette chez vous, est-ce que moi j'ai dit non? Monsieur, comment vous appelez? Criso. Monsieur Criso, en dehors de ton. C'est ton Dieu que tu pries là. Ton côté paternel, vous avez un totem de panthère. Est-ce que c'est bien sous ma voix? Je suis clairvoyant. Mais si je te dévoile la télévision, tu seras content. Si je te dévoile toute ta vie à la télévision, tu seras content. Tu ne seras pas content. Parce que ton côté paternel à vous, il faut que je te le dise maintenant. Comment tu veux savoir que je suis visionnaire? Vous avez des trucs côté paternel à vous. Ton grand-père fut un grand chef coutumier. Ça, je vois dans ma clairvoyance. Voilà. On peut continuer l'émission. Oui? Alors, on peut continuer. Comment tu cherches cette démonstration? Oui, voilà. Tu as raison. Là, moi, voilà. Je suis chrétien et tu as raison. Voilà. Mon grand-père fut un grand chef coutumier. J'ai la clairvoyance. Nguyen, il s'appelle Nguyen. Aujourd'hui, quand tu es un occultiste, tu as Lucifer en toi, comment tu n'as pas la clairvoyance? Moi, j'ai la clairvoyance. Même quelqu'un, quand il m'appelle, il m'envoie le $30 même à distance. Je lui fais la clairvoyance. Comment tu as su que mon grand-père était chef? Je suis un grand sorcier. Occultiste. Grand occultiste. Oui. Tu sais, petit en âge, mais grand éveillé. Tu sais quoi, toutes les missions là, à tout le monde que tu as reçu là, je suis le seul maître qui est le vrai et qui restera le vrai parmi tout le monde que tu reçois sur les missions. Est-ce que tu peux accepter un jour d'être face à un pasteur? Pourquoi pas? Je vais dévoiler tous ces secrets. Pourquoi pas? Mais le pasteur lui-même. Les pasteurs sont des aventuriers. Le pasteur lui-même, il va chercher des bagarres avec moi le jour là. En pleine télévision. Il va chercher même un portail parce que je vais dire toutes les vérités. Toutes les pasteurs, toutes les simulacres qu'ils font chez les gens. Je un pasteur qui est en face de moi, je lui dis d'abord toute sa vie d'abord. Je lui fais la vision de toute sa vie. Je lui dis même le rêve qu'il a fait le soir pour le mettre KO. Donc tu es grand sorcier. Je te dis ceci, si tu viens chez moi, c'est facile, tu auras tout ce que tu veux. C'est très facile à me contacter sur WhatsApp. Donc plus 243-827-204-322. Tu vis où? Je suis à GB. Mais facilement pour me contacter. Oui, c'est le moi au Congo, mais... Non, je suis ça.
En Afrique, je suis un contrôle. Je suis sorcier en Afrique. Je suis international. Je contrôle le Bénin. En matière de la sorcellerie. Je contrôle le Bénin. Oui. Je contrôle le Congo-Brazzaville. Oui. Je contrôle l'Angola. Je contrôle. Actuellement, je contrôle Kinshasa. Est-ce qu'il y a trop de. Vous avez trop de. Tu as trop d'adeptes ici à Kinshasa. Bon, je suis nouveau à Kinshasa. Nombreux ne connaissent pas encore, même pas encore découvert. Mais comme on dit, le fils du diable est arrivé sur place. La lumière est là déjà. Et quand tu es venu, tu n'as pas découvert d'autres diables à Kinshasa. Oh. Il y a que des magiciens. Il y a pas de occultistes. Il y a que des magiciens qui font le tour de magie, des escrocs. Ici, je trouve qu'il y a des escrocs. Parce que j'ai la clairvoyance, hein. Les occultistes, pas trop. J'ai pas vu des occultistes comme moi. Ici, je vois qu'il y a des magiciens qui font des tours de magie. Parce que quand je vois des grands maîtres, moi-même, je voulais sentir. Parce que moi, je suis grand. C'est-à-dire, si on me met là devant un grand. Si vous appelez un occultiste, on lui met devant moi là. Il va fuir de même. Est-ce qu'un chrétien peut venir chercher la sorcellerie chez toi pour Bota, pour Akumanambo, pour Akumanministre? Un bon chrétien. Il peut venir comme il voudra. Même un joueur peut venir chercher des buts chez moi pour marquer des buts. Ça existe. Ça existe. Mais imagine-toi aujourd'hui, vous jouez avec une équipe musulmane. Au tiers, mon foot est en train de dans la boutique. Au remarqué, il n'y a pas de musulmane. Pourquoi tu as vraiment besoin de vous? Il faut le gagner dans la Kenge. Chancé Kenge là. Plus 243, 827, 204, 320. Condition Moussousou, nous avons un bouki. Nous avons dit, la Lingala. Un sorcier, c'est un bouki. Nous avons des démons en personne. Donc, nous avons des démons. Nous avons des démons. Alors, nous ne pouvons pas nous. Au bout de la vie, nous avons été comme au Banga, nous avons un problème au Bota, nous avons un problème au Moussala, nous avons un problème. Nous avons un problème au Banga. Il y a des mots à part moi, on est obligé, par exemple, moi, je n'ai pas Koufa, papa n'a pas Koufa, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a une chose que vous comprenez, une chose. Est-ce que si à Kinshasa, est-ce qu'il y a un truc des occultistes que les occultistes puissent se réunir? Je ignore, je ne crois pas. Mais les pasteurs se réunissent. À Brazzaville, les occultistes se réunissent. Mais je pense que ce sera une bonne idée pour moi de faire venir des occultistes de Kinshasa, de se réunir, de prendre un égrégore qui va élever la RDC. Vous voyez, pour la RDC, ce n'est pas Dieu qui va élever la RDC, Jésus-Christ, c'est le démon. Non, excusez-moi, ce n'est pas dans le mauvais sens. De élever la RDC pour sauver la vie des gens qui sont malades. Nous ne sommes pas des politiciens, nous. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des occultistes. On sauve la vie des gens. Nous prions pour la paix, que la paix soit en RDC. On donne les nominations à des gens pour que les gens puissent travailler à donner aussi le bout du pain à nos frères. Et quand on donne les nominations aux gens, je ne suis pas président de la République. Je suis un occultiste et je prie celui qui a fait rendre son CV chez le président, que le président puisse accepter son CV, qu'il puisse le nommer ministre. Ça peut se faire, ça se réalise, ça tout le monde le fait. Mais tu as la capacité de rendre quelqu'un riche. Quelqu'un fait un pacte pour devenir milliardaire, il n'a qu'à venir me voir. Et pourquoi tu demandes encore l'argent? Mais tu sais quoi, l'argent paie l'argent. Elle peut déjà faire un milliardaire, comme Donald Trump, qu'il puisse quitter la poubelle Poutine, il est milliardaire. Est-ce que quand je te dirais qu'il puisse quitter sa place du président, il quittera? Non, mais c'est toi qui dois faire l'argent. Je te pose des questions. Un milliardaire, tu es milliardaire aujourd'hui. Mm. On te dit que non, on te partage 50 dollars là, ou 100 dollars. Tu vas prendre ça? Oui, je peux toujours prendre. Donc c'est pour dire que quand que je suis milliardaire, que je suis millionnaire, que je puisse avoir des moyens de vivre en tant que médecin, le métier que j'ai, pour sauver la vie des gens, pour que le rituel puisse agir, pour que la personne puisse se donner quelque chose. Donc, un médecin, on doit partir. N'échappez pas à la question, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que vous voyez quoi? Il y a trop des arnaqueurs dans cette histoire-là, de tours de magie. Donc, vous avez fait appel à un grand maître. Donc, il faut que je te dise, quand tu es quelqu'un, même une star, qui a des succès, il a des milliards, mais il veut toujours les gens pour se venir à son concert, pour lui donner encore de l'argent. Donc Mbongo, l'argent n'a pas de limite. Comprenons. Donc je peux rendre quelqu'un riche. Osa démon. Osa, il y a des démons. Explique-moi un peu le phénomène de Marie de nous. Et prochainement, quand je viens sur votre émission, ne me parlez pas des magiciens ou des occultistes, des petits, des gens. C'est pas bon de dire parce que vous voyez un grand maître comme moi parle de quelqu'un, je ne peux pas, j'ignore ça. Bon, les esprits, revenons aux esprits. Revenons aux esprits. Parce qu'un grand maître comme moi, quand je parle de quelqu'un, soit je parle le nom d'un pasteur, je ne sais pas, c'est trop bas à mon niveau.
Parce que quand on est grand maître, il y a des choses qu'on peut plus parler. Mais il faut se faire des mots avec qui il faut parler. Non, quand tu es grand maître, tu ne peux pas parler de quelqu'un à la télévision, non, ou le pasteur un tel, ou le grand maître un tel, est-ce que vous connaissez, est-ce que... Ça, c'est trop bas, c'est pas mon niveau. Ok, et puis... C'est pas mon niveau, moi, je suis grand. Les maris de nuit existent. Est-ce que mon tout, à quoi il y a moi, si à l'aller, on va aller à matin, le problème, moi, si la banni, on va aller à la solo. Ça existe, c'est la sorcellerie africaine, ça existe. Ça existe, c'est des choses que moi-même, j'ai déjà vu de que comme ça. Même toi, quand tu l'as, malgré ton christianisme, hein, quand tu pries pour des bougies, avec des bougies, quand tu pries pour ta sainte Marie-Vierge, que tu pries, quelqu'un peut venir aujourd'hui et il fait ton sorcier, une femme, hein, il fait ton sorcier. Il y a des gens qui demandent, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, et puis à la beauté, vous pouvez faire ce numéro, on a dit 0422. Attends, même des questions de curiosité, on peut vous appeler, non? Oui, il peut m'appeler pour des questions, tout ça ne dérange pas. 082-72-04-322. Merci Yannick. Merci de nous voir là. Merci la RDC, comme je suis là actuellement. Oui, il y a qui a dit nous en Congo. Na Kinshasa, nous avons un fond partout, ben à montrer belle. Il n'y a pas de gens qui ont été malades. Papa Ogin Kama, non, on se bon, c'est bon. Manam, on croit encore. Président Kissiman, mon à propos Kabaka. Président Jassima Soa, papa na David na Soraya. Père de Tima Soa. Est-ce que la fille est mal aimée, mal amour est maman? Est-ce que la fille est mal aimée, mal amour est maman?